Notre fille, c'est trop bien. Alors, on va faire quoi avec ta copine? Hein? 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 Mais attends... On est où, là? Ah, la voilà! Alicia m'accueille, trop contente. Yes! Oh, ça me fait plaisir. Moi aussi. Je suis désolée, je suis en retard. C'est ça, ta copine? Mais c'est Cathy, je t'en avais pas parlé, ma prof de latin de quatrième. C'est une vieille copine. Allez, Zou, on y va. Alicia, c'est quoi ce plan? Non, mais fais pas ta parisienne. Tu crois pas que j'allais nous amener Ibiza non plus? C'est pas grave, Héloïse. T'as le droit de te tromper, personne t'en voudra. Ah non, non, mais je suis très contente d'être là. Mais tu sais, l'eau, c'est très important, les erreurs. Moi, j'ai passé ma carrière à expliquer à mes élèves que se tromper, ça pouvait être positif et qu'on apprenait de ces erreurs. Ah, mais c'est super intéressant. En fait, la théorie de l'apprentissage par renforcement explique comment on apprend par essai-erreur. Selon cette théorie, l'apprentissage se fait quand notre prédiction ne coïncide pas avec la réalité. On appelle ça une erreur de prédiction. Et d'ailleurs... Mais attends, Héloïse, tu me déconcentres. J'essaie de faire un cube avec mon robot. Mais Alicia, ça m'intéresse vachement ce qu'elle raconte, Héloïse. En plus, erreur de prédiction, je me doute qu'on ne va pas aller voir une voyante. Attends, je vais t'expliquer. Par exemple, quand j'avance le bras gauche, je m'attends à ce que le bras droit soit capable de faire de même. Mais non, je fais une erreur de prédiction. Et comme ça, j'apprends à manipuler le robot. Ah, d'accord. En fait, tout est dans les lunettes. J'ai réussi à faire un cube. Oh, mais il dit très bien ça. Allez, recommence. Non, mais je sais pas si je vais arriver à le faire une deuxième fois. C'est normal, le propre de l'apprentissage par renforcement, c'est que c'est progressif. Tiens, j'ai réussi encore plus vite cette fois. Oui, et plus tu vas t'entraîner, plus vite tu vas réussir. Et ça va devenir automatique. L'apprentissage par renforcement, ce n'est pas du tout ou rien. Mais tu sais, Lo, je suis en train de me dire que, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, j'ai passé une partie de ma carrière à faire de l'apprentissage par renforcement sans le savoir. Comment ça? Eh bien, en fait, à mon arrivée en collège, j'ai été frappée par le fait que les sixièmes s'auto-censuraient. C'est-à-dire que les élèves ne levaient le doigt pour répondre que s'ils étaient sûrs d'avoir la bonne réponse. Ce qui ne me convenait pas du tout. Donc, j'ai mis en place un système d'évaluation de la participation, sourire, grimace. Mais l'élève avait un sourire même si la réponse était fausse. Et le parallélépipède, ça marche aussi? N'importe quoi. Enfin, c'est pas grave, t'as essayé, donc tu auras un sourire. Merci, Cathy. De rien. Tu sais, ça me rappelle mon entrée en sixième où j'étais complètement inhibée, tu te souviens? Et grâce à tes méthodes, j'ai compris que j'avais le droit à l'erreur. J'ai osé prendre des risques et ça me sert encore jusqu'à aujourd'hui. Bon, les filles, on boit quoi ici? Ah, surprise! L'alcool local, la Trouspinette, c'est de l'alcool de ronce. Tu sais, Héloïse, on n'est pas Ibiza, on est à main clé. Une main, une clé, ça commence à rentrer.